Bonjour, donc nous allons faire un tawashi avec, nous avons ici un vieux collant que nous avons tous déchiré, coupé en petits morceaux, voilà, donc ça nous fait des petits anneaux de tissu de deux couleurs, un petit tricotin rond qu'on va s'en servir comme média tissé. Alors, on prend un anneau, on le met comme ça. On va faire plus simple. On en met un sur un clou et on met au clou qui va en face. Voilà. On fait pareil jusqu'à ce qu'on ait fait tout ce rang. Donc voilà. Donc on a notre première partie qui est faite et nous allons faire pareil avec l'autre couleur en passant un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Donc on prend là. On saute un picot, on laisse un de libre et on met au premier. Comme ça. Et on passe un dessous, un dessus, un dessous, un dessus. Jusqu'au bout. Donc à la fin ça tire un peu, c'est normal. Et on met sur le picot. Voilà. Donc maintenant on continue. Bien sûr en faisant l'inverse. C'est-à-dire que on met là. Donc là on avait commencé en passant par dessus. Donc là, on va attaquer par-dessous pour que ça nous fasse un tissage. Donc on attaque dessous. C'est ce qui va nous faire après plein des jolis petits carrés. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Donc voilà, nous avons fini le tissage. Nous n'avons plus qu'à fermer notre tawashi. Alors, on prend un anneau. Dans les doigts, on le sort. Pas facile, désolé avec la caméra dans les mains. Et on le passe dans le deuxième. On garde le deuxième, on le passe à travers. Et on lâche. On garde celui du picot suivant. On prend donc l'ancien. Et on le fait passer. On le sort. Et on le rentre dedans. Ainsi de suite. Voilà. On prend. Et on met. Voilà. Et donc on fait comme ça tout le long. Voilà, donc on fait pareil jusqu'au dernier. Et le dernier, on le mettra en crochet. Voilà. Et voilà, donc le dernier qui est fini. On n'aura plus qu'à l'accrocher pour le suspendre. Et faire la vaisselle. À bientôt.